Merci d'être là, je vais m'asseoir. Hein. Hop. Merci déjà Eloi, merci pour cette invitation. C'est vrai que quand j'ai commencé à travailler ce réveil créatif, Eloi m'a fait travailler sur ce qui me motivait le plus dans ce que je fais au jour le jour dans mon travail. Le but des structures sur lesquelles j'ai pu travailler, l'élément principal pour moi a toujours été de jouer le rôle d'ascenseur social à notre niveau, bien évidemment, pour des personnes qui vont avoir des difficultés, un projet professionnel en difficulté, un accident dans leur parcours professionnel. Partant de ce constat-là, j'ai commencé moi à travailler dans une structure qui s'appelle la Glanerie, qui compte aujourd'hui 45 salariés, donc j'ai monté l'atelier de l'insertion. À la Glanerie, on avait des salariés dont on avait du mal à les amener vers de la qualification. Donc l'enjeu pour moi était de réfléchir à des secteurs professionnels sur le bassin d'emploi qui avaient du potentiel d'emploi et de voir dans quelle mesure on pouvait amener des gens qui n'avaient pas de qualification, qui souhaitaient travailler, à les amener vers ces métiers-là. De là est venu, il ne faut pas être devin pour savoir que sur le bassin d'emploi de l'agglomération toulousaine est largement porté par l'industrie aéronautique aussi, et avec aussi en développement, en ligne de mire, les métiers du vélo. C'était ça l'objectif principal, c'était de réfléchir à comment on amène des gens qui souhaitent travailler, qui souhaitent s'engager durablement dans le monde du travail, à les qualifier et les intégrer vers des secteurs qui recrutent. Partant de ce constat-là, en fait, je me suis dit, pourquoi pas le vélo? Pourquoi pas le vélo? Parce que le vélo, si on peut imaginer de travailler sur une refabrication d'un vélo de A à Z, ce qu'on fait dans le cadre des cycles heureux, on fait le pari en fait, d'accompagner des salariés sur leur développement de compétences techniques. C'est-à-dire que les salariés, quand ils vont travailler chez nous dans le cadre de la refabrication d'un vélo, ils vont apprendre le sablage, la peinture industrielle, la soudure, le support de production devenant support de formation. C'est tout l'enjeu. C'est-à-dire que nous, ce qu'on souhaite, c'est faire de la formation en situation de production. Que ça soit vraiment ça le cœur du dispositif. Ça, c'était l'idée de base. Une idée de se dire on va refabriquer des vélos. Cette idée, il a fallu la développer. Ça a commencé, c'est une aventure que j'ai pu commencer. Qui a commencé au fond de mon jardin, concrètement, avec un cabanon qui a servi d'atelier vélo. Moi, je ne suis pas mécanicien cycle. J'ai pu embaucher un premier salarié, Julien Ducor, qui est encadrant technique au sein de la structure. Donc ça, c'était en novembre 2015. En novembre 2015, on a pu tout imaginer, prototyper les vélos, réfléchir à ce qu'on faisait en récup, ce qu'on ne faisait pas en récup. Qu'est-ce qu'on rationalisait, comment on faisait pour que ça devienne quelque chose d'apprenant, un parcours de formation apprenant. On a tout inventé à ce moment-là. C'était vraiment de A à Z, avec comme quand on comme un artisan, je veux dire, avec des échecs aussi à des moments. C'est-à-dire que les premiers vélos qu'on a pu faire, on s'est dit on va tout adapter sur tout, mais rien ne s'adapte sur rien. Et on devenait aussi ce qui est allé à l'encontre de notre projet même de formation, parce que plus c'est compliqué, moins c'est apprenant aussi pour les salariés qu'on pouvait accompagner. C'est pendant 2 ans qu'on a pu travailler là-dessus, avec aussi un gros effort aussi de mobilisation autour du projet, parce que c'est un projet qui est coûteux. Très coûteux parce qu'on a besoin pour faire de la formation de qualité, d'avoir des machines de qualité. On a au sein de notre atelier une cabine de sablage, une cabine de thermolaquage, bientôt une cabine de soudure. C'est beaucoup, beaucoup d'argent quand même pour des structures associatives comme les nôtres. On a dû fédérer autour de ce projet une quinzaine de partenaires qui nous aident à avoir ces machines qui, moi, étaient indispensables pour mon projet. C'est-à-dire que sans ça, l'idée, ce n'était pas de bricoler, l'idée, c'était clairement de faire de la formation de qualité, que les salariés travaillent dans de bonnes conditions. Et donc, c'est ce qu'on a pu faire désormais.
En novembre 2017, on compte, donc là, c'est le démarrage, je dirais, de l'atelier d'insertion. On est 7 salariés en 2017, en novembre 2017. Et 5 ans plus tard, quoi, et 1 an plus tard, on est 5 nouveaux salariés. Donc là, maintenant, on est 14 salariés au sein de la structure des cycles heureux. Donc ça a pu se développer quoi, de manière intéressante en gardant tous nos critères de recrutement. Et ça, j'insiste aussi là-dessus, qui étaient, on savait ce qu'on souhaitait faire au départ. On a vocation à embaucher tout type de personnes. Ça peut être vous, ça peut être nous. Je veux dire, un accident de parcours, c'est pour tout le monde. Mais on voulait avoir une attention particulière pour 4 types de publics. Les primo-arrivants, parce qu'ils vont être souvent cantonnés sur des métiers pas ou peu qualifiés. Alors même que une embauche dans le cadre d'une structure comme la nôtre, on peut travailler sur les compétences qu'ils ont développées dans leur métier, dans leur pays d'origine. Ça va être les jeunes, en se disant que le vélo est quelque chose d'attractif et peut être une entrée pour des jeunes décrocheurs, et d'imaginer aussi de leur ouvrir le champ des possibles sur d'autres métiers méconnus que moi je ne connaissais pas avant de démarrer ce métier. Je pense à des métiers comme le composite ou ce genre de choses. Ça va être les femmes, parce qu'elles sont peu présentes sur nos métiers. Et sans tomber sur des caricatures, les femmes qui travaillent sur ces métiers-là trouvent facilement du travail, parce que elles vont être dotées de minutie à des moments plus importants que les hommes. Encore une fois, sans tomber sur des caricatures, mais c'est une réalité d'emploi en tous les cas. Et les personnes sans logement, en se disant que au sein de notre structure, ils sont accompagnés par une collègue à moi qui s'appelle Mathilde Ravon, qui a pour rôle de travailler sur les questions de logement et puis aussi du projet professionnel. Mais le fait d'embaucher dans une structure comme la nôtre, ils vont être accompagnés et ils vont également bénéficier de bulletins de paye qui font que très souvent, dans les 3 premiers mois, on arrive à trouver des solutions de logement et d'enclencher quelque chose là-dessus par ailleurs. Alors, les cycles heureux, moi, je voulais aussi partager avec vous des réussites, en tous les cas une réussite, pour vous donner aussi le quotidien, moi, de ce qui m'anime en fait au jour le jour. On a une personne, en fait, premier salarié de l'atelier d'insertion. Je parlais, voilà, c'est quelqu'un qui est d'origine soudanaise, qui a fui donc la guerre du Soudan, au Darfour. Ensuite, il a été en Libye, il a dû fuir aussi la Libye. Il est arrivé donc en France via les bateaux pneumatiques. Il a fait Lampedusa, Calais, tout ce qu'on peut voir, je veux dire, dans les journaux télévisés, on l'a touché, nous, concrètement, au cycle heureux. Cette personne-là, elle arrive au cycle heureux avec un niveau de français hyper, hyper faible. Donc pas le permis, pas d'expérience professionnelle chez nous et pas de logement. Chez nous, au bout de 3 mois, elle a pu avoir un logement et désormais elle a le permis. Elle a intégré une formation mécanicien poids lourd et avec un CDI à la clé. Donc c'est des réussites pour nous qui font booster l'équipe, qui font booster vraiment toute l'équipe, bien évidemment lui aussi. Mais voilà, ça marche pas à tous les coups forcément, mais c'est ce genre de réussite qui nous anime. Alors, j'ai parlé de l'aspect solidaire, moi, de ce qui m'anime au sein des cycles heureux. Il y a clairement aussi une volonté dans les 2 projets que moi j'ai eu à développer, la glanerie et les cycles heureux, une volonté aussi de travailler sur le développement d'une nouvelle manière de consommer. C'est-à-dire qu'on fait des vélos, on ne fait pas que des vélos, on fait des vélos qui ont du sens. Qui sont issus, alors qui ont du sens avec ce que je viens de vous décrire au niveau solidaire, mais qui vont clairement avoir du sens au niveau économie circulaire. On donne une seconde vie à des déchets, on limite l'impact de l'homme sur son environnement, encore une fois, hein, juste à notre échelle, mais c'est de pouvoir proposer un objet qui soit assez joli, mais en même temps qui ait du sens. C'est fait 100% sur Toulouse. Donc ça, c'était aussi vraiment penser la récup comme moyen de production. Et ça a toujours été fait, c'est toujours ce que j'ai pu faire, moi, développer dans mes activités professionnelles. Sur le vélo, bien évidemment, c'est des vélos qui sont cassés, abandonnés, on en récupère un peu partout. Mais c'est aussi pousser la récup jusqu'au bout, avec les paniers vélos qui sont faits à partir de caisses de vin qu'on aura entièrement customisées. C'est des poignées de vélos qu'on a imaginées à partir de cuir, eux-mêmes qui viennent de canapés, qui viennent de déchetterie. On travaille avec un brasseur local qui nous donne des bouchons pour finir la guidoline. Voilà, d'essayer de toujours d'imaginer en fait la récup comme source d'inspiration et que au final ça fasse un objet aussi qui est aussi du sens. Les cycles heureux, c'est aussi un atelier d'autoréparation ouvert les mercredis après-midi, animé par les salariés de l'atelier.
Et avec, on a un bel outil de travail, là, avec des bons outils assez grands, assez spacieux, et avec des salariés qui savent faire. Voilà. Ça, c'est quelque chose que moi, j'avais pu voir fonctionner, notamment sur Paris. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut qu'on l'amène ici, avec cette logique, en fait, de faire un espace, un réel espace de mixité sociale sur les vélos. C'est-à-dire qu'à ces moments-là, va se côtoyer autour d'un vélo des jeunes, des vieux, des gens qui ont des sous, des gens qui n'en ont pas. Et nos salariés, les salariés des cycles heureux, qui deviennent accompagnateurs d'une réparation, formateurs d'une réparation, et qui à leur tour vont développer des compétences et puis clairement être dans une logique aussi de transmission. Et donc en termes de revalorisation, de valorisation de soi, c'est vraiment, vraiment top ce fonctionnement-là. Donc ça, c'était aussi un point d'importance aussi par ailleurs. Bon, la troisième chose, moi, ce qui m'anime, c'est vraiment de développer des choses qui rentrent toujours dans ces mêmes thématiques, mais de pouvoir toujours être en mouvement et de pouvoir continuer à développer des choses. Là, nous, on est au 37 chemin La Pujade. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un gros appel à projet de la métropole sur Dessine-moi Toulouse. 20 sites en fait, immobiliers qui ont été identifiés par la mairie et la métropole comme pouvant servir en fait, de nouvelles propositions d'aménagement, de ne pas faire de l'urbanisation comme on pouvait faire par ailleurs, mais d'associer au maximum les associations, les riverains, voilà. On a été lauréat de cet appel à projet avec, donc là c'est un gros projet collectif, on est sur un site qui fait 9000 mètres carrés, qui est donc à côté de l'espace Bonnefoy, et sur lequel en fait les cycles heureux agréger une dizaine d'autres structures qui travaillent sur les mêmes thématiques que nous, avec la création d'un pôle d'innovation sociale autour de la mobilité douce. On va retrouver par exemple la maison du vélo ou une auto-école sociale. On va retrouver d'autres structures de l'économie solidaire, de l'habitat participatif avec des bâtiments qui vont être détruits puis reconstruits pour faire de l'habitat participatif, mais avec une logique aussi d'accession sociale immobilière. Des jardins, donc une grosse part qui va être générée, développée pour des jardins. Des ateliers autour de la menuiserie pour les habitants, des ateliers d'autoréparation autour du vélo, et puis aussi les anciens ateliers menuiserie de la mairie de Toulouse qui vont servir pour accueillir la forêt électrique, qui est un cinéma éphémère qui était, donc qui devient plus éphémère et qui va vraiment se développer sur notre site, qui va être présent sur 600 mètres carrés sur cet espace-là. Donc c'est quelque chose qui va se construire. Jusqu'à 2024, disons, où ça sera finalisé, mais qui va se construire dès à présent, parce qu'il y a des bâtiments qui sont vides, qu'on va déjà développer. Un peu sous l'image de ce qu'on peut retrouver à Paris sur les Grands Voisins, qui est un chouette lieu, que moi je trouve qui a plein de sens, qui va mêler vraiment mixité sociale. L'idée, c'est de faire se rencontrer des gens qui ne se rencontreraient pas, et que là-dessus, en fait, tout le monde progresse, en fait, quoi. Les salariés qu'on accompagne, c'est clair, mais tout le monde aussi, les structures qui y sont, qui travaillent sur des univers complètement différents. Voilà un peu pour une présentation de ce qui, moi, m'anime au quotidien dans mon travail. Ce que je disais en préalable sur le pitch qu'on a pu travailler avec Eloi, mais c'était aussi une créativité qui soit aussi un peu différente de ce que j'imagine on peut retrouver aussi à des moments sur les réveils créatifs, qui est plus sur partir d'une idée et puis d'essayer de la développer pour faire en sorte que ça crée de l'emploi localement, c'est du sens, ça soit sur des logiques environnementales, sociales, voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce que voilà. Je vois. Merci beaucoup. Merci à tous.